c'est essayer de retrouver un petit peu tout ce qu'on a travaillé ces dernières 5-6 semaines. Que ce soit sur les phases de conquête, sur les zones de rock, sur nos attaques ou nos systèmes de défense. Et voilà, c'est justement de retrouver un peu tout ça, d'essayer de voir si ces combinaisons-là sont en place, ils sont assimilés par nos joueurs. C'est très facile à l'entraînement avec le minimum de fatigue ou de opposition, que ça ressemble bien en place. Et là, dans le match, avec des impacts, qu'on voit si on reste lucide et si on retrouve ces actions-là. Mais écoute, voilà, on n'a pas trop de nouveau dans ce match, mais voilà, c'est un match de rugby. Le sport de rugby, c'est très fédérateur. C'est très fédérateur dans les moments où on s'envoie ensemble, qu'on fait des bons matchs ensemble, mais c'est parce que très destructeur si ça ne marche pas. Donc voilà, donc nous, on est conscients de ça, que ce genre de match va nous donner vraiment une première occasion de se mesurer à nous-mêmes, de montrer les nouveaux joueurs et les anciens, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter cette année. L'équipe de Lyon, sous le travail de Pierre Mignoni, qui ces dernières années qui fait un énormément de progrès, ils sont survolés le Pro 2 il y a 2 ans, cette année ils ont pas passé loin de l'Europe. Ils ont fait un recrutement fort pendant cette intersaison. Donc c'est clair qu'eux, c'est un club qui est en train de monter. Donc voilà, donc nous, pour nous, c'est une très bonne opposition de voir ceux qui sont en train de, parmi les équipes qui sont fait des mieux en top 14 dans le championnat des Pro de top 14 ces dernières années. Donc c'est vraiment le genre d'opposition qu'on souhaitait.